En ces jours de travail dans la province du Sud-Ubangi, le président national du mouvement de libération du Congo a effectué une mission de pacification le lundi 12 octobre 2020 à Likimi, secteur situé dans le territoire de Boudjala. Accueilli par une foule nombreuse, mobilisée par la circonstance, Jean-Pierre Bemba Gombo était donc porteur d'un message de paix et de réconfort moral à l'ensemble de la population de cette contrée. C'est là quelques semaines après les conflits intercommunautaires qui avaient dégénéré dans ce secteur, occasionnant ainsi plusieurs dégâts matériels. L'ancien vice-président de la RDC a appelé ses frères et sœurs de Likimi à bannir avec les conflits inutiles et à promouvoir l'unité et la cohésion en vue du développement de leur région. Il a également mis en garde tous les tirés de ficelles de ces conflits interethniques. Ce message de Jean-Pierre Bemba Gombo a été vivement salué par la population locale. Par ailleurs, chemin faisant, Jean-Pierre Bemba Gombo a palpé du doigt certains problèmes dont sont confrontées la population, notamment l'état des routes qui demeure très critique. Retourné à Gemena très tard dans la nuit, le président national du mouvement de libération du Congo a effectué une autre visite ce mardi 13 octobre à Boudjala Centre.